Mais qu'est-ce donc cette odeur? Qu'est-ce donc cette odeur? Qu'est-ce donc cette odeur? Qu'est-ce donc cette odeur? Salut Internet, et vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, je tiens à vous présenter un frérot à moi qui vend des parfums qui sentent très très bon. Son snap s'affiche ici, c'est Nours Elixir. Je vous invite à le rajouter au max, car il a une grande variété de parfums. Vous pouvez même les revendre et vous faire de l'argent en partenariat avec lui. N'hésitez pas à le rajouter sur Snap. Les produits sont vraiment magnifiques. On a le Million Gold privé, on a la Pétale, le Croco Black, le Bomb Floral. C'est vraiment des parfums que j'utilise régulièrement. Et si aujourd'hui je fais de la pub pour Nours Elixir, c'est tout simplement parce que ces parfums sont exceptionnels. Je vous incite aussi à aller sur son site qui s'affiche juste en dessous pour acheter les produits et pourquoi pas faire un partenariat avec lui. Merci à Nours Elixir et maintenant on se retrouve pour la suite de la vidéo. Salut Internet, c'est Kamoff. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une personne nous a contacté sur Snapchat cette fois pour nous dire que dans un supermarché, elle avait acheté des bananes qui comportaient des traces rouges. Au début, j'ai pas trop pris au sérieux ce genre de message parce que je me suis dit, une banane c'est pas rouge, c'est blanc, comment il peut y avoir des traces rouges? Enfin, c'est n'importe quoi, parce que c'est des bananes mutantes qui ont muté au fin fond de la Méditerranée et qui se sont, voilà. Et j'ai donc demandé à cette personne des preuves. Habitant sur Marseille, je suis allé la rencontrer et elle m'a montré les bananes avec des traces rouges, c'est assez inquiétant, et que je lui ai demandé où elle avait acheté ces bananes. Alors bien sûr, pour des raisons de confidentialité, nous allons pas donner le nom du magasin en question parce que sinon on irait une fois de plus en justice. Mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'on a tout filmé et qu'on est resté plusieurs jours sur les lieux pour savoir d'où venaient ces bananes rouges. Alors nous lui avons demandé à cette femme, nous lui avons dit, mais pourquoi vous en avez pas parlé au magasin? Elle m'a dit, mais oui, j'ai parlé au magasin, le problème étant que le magasin a fait semblant de pas être au courant, a retiré les bananes du marché et a promis que ça se reproduirait plus. Personne n'est allé voir la police et l'histoire s'est réglée comme ça. Et comme vous l'avez compris, vu que c'est écrit dans le titre, en gros, les bananes étaient infectées du virus du sida. Au début, on ne s'attendait pas à ce qu'est le sida, on s'attendait juste à ce qu'il y ait du sang. Mais une fois qu'on a attrapé le bonhomme, vous allez voir les déclarations qu'il nous a faites. On se retrouve à la fin de cette vidéo pour une petite conclusion. Et on se dit à tout à l'heure. Bon visionnage à tous et merci. Donc voilà les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ce que je vous expliquais dans l'intro, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui met du sang dans des bananes. On va aller dans le magasin concerné. On ne citera pas le nom du magasin pour pas que le magasin se fasse remarquer, parce que ça n'est aucun cas leur faute. Cependant, on va s'y rendre, donc ça va peut-être prendre du temps. Dans tous les cas, on va y aller, on va rester en planque et on va voir si la personne vient ou pas et si on croise quelqu'un de suspect. Donc là, on va s'y rendre avec le caméraman et on filmera sur place ce qui se passe ou ce qui se passe pas. Donc voilà les amis, là on est au premier jour. On voit qu'il y a une personne travaillant dans ce magasin qui remplit des cagettes pour que les gens puissent venir se servir et acheter des bananes. Voilà, les cagettes sont ici. Vous les voyez comme moi, en libre service, comme dans n'importe quel magasin. Deuxième jour, on voit des gens qui achètent sans se poser de questions, hein, c'est normal. Voilà, les gens achètent des bananes. Logique. Jusqu'à là, tout est normal. Troisième jour, toujours pareil. Des gens qui achètent des bananes au même endroit. Le stock a été réapprovisionné. Quatrième jour, encore la même chose. Toujours rien, aucun signe particulier. Pas de comportement suspect ou quoi que ce soit. Sauf là. Cette personne vient de déposer des bananes et est partie. Nous avons donc décidé de récupérer les bananes qu'il a posées, de les acheter pour voir ce qu'il y avait dedans. Celle-là ? C'est sûr ? Nous sommes ensuite passés à la caisse et nous avons payé les bananes que nous avons pris en faisant semblant de faire nos courses. C'est bon ? Les amis, là on vient de sortir du magasin, on a les bananes avec nous, hein. Bon, elles n'ont rien de spécial ces bananes. Par contre, il y a le mec
qui est parti, on l'a retrouvé, il est pas loin, il est à pied en plus. Donc on va aller le voir, on va lui demander pourquoi il pose des bananes dans un magasin comme ça et surtout, qu'est-ce qu'il y a dans ces bananes. Allez, on y va. Je vais lui faire croire que je travaille dans la sécurité. Monsieur, monsieur, bonjour. Est-ce que vous avez... Pas au filet. C'est... je vous explique, je travaille à... On est souvent ici. Je viens faire mes courses. Pourquoi vous avez les mêmes bits si vous faites vos courses? Vous rentrez, vous déposez des bananes et vous repartez, vous? C'est comme ça que vous faites vos courses? Vous approvisionnez le magasin en bananes, c'est ça? Mais ça ne vous regarde pas, je vous dis... Ça ne me regarde pas, je travaille là, je travaille ici. Mais j'ai rien fait. Je suis là. Les caméras, c'est pour ça que vous ne me voyez pas. Je vous ai vu rentrer à plusieurs reprises déposer des bananes. Je comprends pas, on va les ouvrir. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas que ça à faire, en tous les cas, je peux partir. Hein. Ah bah, partez, allez-y, partez. Allez-y, partez. On a votre visage. Si on trouve un truc dans les bananes bizarres, on va au commissariat de suite. Je sais pas, je ne sais rien. Vous avez rien à me reprocher. Déjà, pourquoi vous déposez des bananes ici? Vous rentrez avec des bananes. Vous les déposez, vous partez les mêmes bits. Mais je veux savoir pourquoi. Ça sert à ça, les caméras. Je suis obligé de vous filmer. On est en dehors du magasin. Il faut savoir ce qu'il y a dans les bananes. On va les ouvrir ensemble. Il y a quoi dans ces bananes? On va les ouvrir ensemble. Il y a quoi là? Il y a rien. C'est quoi votre délire? Vous rentrez, vous déposez des bananes? Donc là, il y a rien dans cette banane? Non, il y a rien. Je sais pas. C'est une blague. Ouais, y'a rien. Faites des blagues cheloues, hein. Franchement. C'est bon, on peut rester là, y'a rien. On va check quand même les autres, les autres. De quoi? Les autres bananes, t'as rien ou pas? Ouais, si tu veux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est du sang. Du sang? C'est quoi ça? Non, sérieusement, c'est quoi? Je que je le fasse manger? Du sang, pourquoi tu fais ça? Je comprends pas. C'est quoi ton délire? Pourquoi du sang? Tiens, regarde. Pourquoi du sang? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on t'amène en prison ou quoi? Oh, tiens, sérieux problème, toi. Pourquoi du sang? Parce que j'ai une maladie. J'ai une maladie, quelqu'un m'a refilé et... D'accord, donc là, ça c'est ok, d'accord. Donc dans cette banane, il y a du sang. Les autres? Combien tu en as fait? Tu as fait combien de bananes? 3. 3 bananes? Ouais, filmé. Non, on filme justement. C'est quoi? Ça là, y'a rien? Ça là. C'est rien, je sais plus. Mais je crois que les gens ils vont manger ça. Honnêtement, je sais pas, c'est. Non, mais c'est débile! C'est débile! Bon, fais ça. Fais gaffe, touche pas trop. Bon, putain. On va aller au magasin et on va appeler les flics de suite. T'as compris? Il y a quoi? C'est quoi ce sang? C'est quoi ça? Pourquoi du sang? Pourquoi? Parce que je suis malade, j'ai dit. T'as quoi comme maladie? Sida. T'as le sida? Oui. Et c'est quel but? Quel intérêt? Je comprends pas. Je vais mourir seul, c'est tout. En fait, c'est quoi ton but? C'est d'emboucaner d'autres personnes? Mais attends, c'est même pas vrai. T'as un malade, t'as même pas le sida. Il faut faire des expertises sur ça. C'est ton sang, ça? Ouais. Donc, tu peux voir ton sac. Donne-moi le sac. Une cuillère. Ok. Je comprends mieux maintenant. Ok. Donc t'as des seringues sur toi. Oui. C'est les seringues que tu utilises pour mettre le sang dans les bananes? Ouais. Christian, tu es pas bien? C'est arrivé. Non, là y'a rien. Tu es en train de me dire que tu mets du sang contaminé comme le VIH dans des bananes pour que des gens mangent ces bananes et tombent malades. Tu réalises que tu es en train de faire des crimes. C'est un crime ce que tu fais. Tu tues des gens. J'y croyais même pas en faisant ces vidéos. Je me suis dit non, c'est pas possible. Il y a des gens aussi détraqués que ça sur Terre? Ça veut dire quoi? Que les gens, maintenant, quand ils mangent des bananes, faut qu'ils regardent s'il n'y a pas du sang? On en est à ce stade-là? Le sac, je le garde. Eh? Voilà. Et on va aller au magasin. D'accord? Oh, je te parle! Putain, c'est incroyable! On va au magasin! Allez. Non, mais tu te rends compte comme c'est grave, mon pote? Tu te rends compte comme c'est grave? C'est grave de faire ça! C'est grave de faire ça! Putain, c'est que de moi, il n'y a pas les caméras, je te mets une baffe! Tu as fait où? Dans notre endroit, le même magasin, d'autres magasins? La même chaîne. Mais tu vas voir une psychologue? Tu es suivi? Non. Mais tu te rends compte que c'est pas normal? Tu te rends compte que c'est grave? C'est un crime, gros. Je sais que la meuf qui m'a filé ça, elle va. Mais on s'en fout de la meuf qui t'a filé ça. En fin de compte, j'avais qu'à faire attention. La meuf qui t'a filé ça, ok, d'accord, c'est bien beau. Mais là, les gens, ils ont rien demandé. Tu es en train de faire. Oh, c'est une maladie mortelle, ça. Les gens, ils en meurent de ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont mangé ça et qui sont peut-être malades ou qui ont peut-être attrapé le sida à cause de toi. Et s'ils meurent, ces gens, ça serait un crime. Et là, tu rentres en prison. Tu en es conscient? C'est quoi, tu veux finir en prison? Non. Allez. Il faut qu'on aille dire au magasin ce que tu fais, mec, c'est pas normal. J'ai compris, mais. Non, c'est grave, non. Pas de fichier. Je vais aller au magasin, frérot, c'est mon travail, moi. Je te dis, je le ferai pas, je le ferai plus, c'est bon, genre. Non, mais tu le feras plus, non, t'en as compte, mais je m'en rendais pas compte. Attends, tu as peut-être tué des gens et tu me dis, je le ferai plus. C'est comme si un mec venait et tuait quelqu'un
et je l'attrape sur le fil, mais je dis non mais ça va, je le ferai plus. Mais quel sou, je veux pas ça pour les sous, mais je m'en fous des sous, mec. Je m'en fous. Je peux pas me permettre, je veux pas de... Je sais pas, genre... Je m'en rendais pas compte. Ah, jamais. Non, tu sais que tu as un gros problème psychologique, vraiment, je te parle sérieux. Parce qu'en fait, je travaille pas là, c'est pas vrai, je travaille pas là. Ah ouais, alors, pardon. Et on m'a appelé pour me dire, venez voir dans le magasin, tout ça, donc ça fait quelques jours qu'on vient en plus. Tu vois, ça fait quelques jours qu'on est là. Tant on le laisse au magasin et comme ils veulent pas de problème, le magasin, ils diront. Ah, là. Je m'en fous. Tu as un euro ? Sur toi, t'as des pièces ? Ouais, j'ai un euro. Non, mais non, s'il te plaît. T'es déjà rentré dans un caddie ? Non. Rentre dans le caddie. Rentre dans le caddie, s'il te plaît. Tiens, regarde ça, regarde le sac, s'il te plaît. Tu vas pas me pousser sur la route ? Non, je vais pas te pousser sur la route, je vais pas tuer des gens, je vais pas te tuer. Mets-toi en PLS. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je comprends pas. Ben, mets-toi en boule, tu vas comprendre. Mets-toi en boule. Voilà. Bouge pas. Voilà, bouge pas. Ne bouge pas, hein. Bouge pas, t'es sur la tête. Voilà. Oh. Allez. Tiens, regarde-moi ça. Tiens, c'est 41 euros. Ton sac. Parce qu'après, on va dire que je suis un voleur. Voilà. Récupère ça. Voilà, tiens. Passe-moi ton téléphone, s'il te plaît. Bon, mec, maintenant que t'es là, que je suis sûr que tu vas pas bouger. C'est bon, on reste là. C'est bien, tu m'as enfermé dedans et. Regarde, on va appeler la police. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit que tu n'appelais pas les flics. Non, non, j'appelle. Oh, calme-toi, en vrai je vais pas délirer avec toi, calme-toi. Et reste tranquille, un conseil, reste tranquille parce que je vais pas délirer avec toi. Non, si, j'ai pas les flics. Bonjour monsieur, je vous appelle parce que je viens d'attraper un mec, un homme, je viens de voir un homme. En train de mettre du sang contaminé, apparemment il y a le sida dans le sang, dans des bananes et dans un magasin. Je suis au 30. À Marseille. Et on est à cet endroit, il est dans un caddie. Voilà, il est dans un caddie, faut pas qu'il sorte, je l'ai bloqué dans un caddie. Il a, il prend des bananes, il les infecte, il met du sang contaminé, apparemment il y a le sida dedans, et il les remet en rayon pour que les gens mangent ça et attrapent le sida à leur tour. Voilà. Oula, on vous envoie une voiture immédiatement. Allez, merci. Merci beaucoup. Merci. Je veux pas me faire remarquer au magasin, on t'a pas fait remarquer. Allô, tu m'écoutes? Oh. Quoi? Allez, la police elle arrive de toute façon, y'a personne qui te libérera ici. Non. Personne va prendre les chariots avec toi dedans. Donc là, je vous explique, il y a la police qui arrive. Hein, voilà, lui est là. Je tiens à préciser que si vous voyez. Oh, arrête, s'il te plaît. Arrête, c'est en train de me gonfler. Arrête. Je te donne des sous, mec. Non, je veux pas de sous. Je tiens à préciser juste parce que vous allez voir le chariot où il y a écrit Intermarché, tout ça. C'est pas du tout Intermarché que ça s'est passé. C'est juste que ce monsieur, ça fait un moment qu'on le suit. Ça fait un moment qu'on le suit et du coup, il est passé par un parking. Et le parking, il y a un Intermarché à côté. Mais ça n'a aucun cas. Un rapport avec Intermarché, ça s'est passé dans une autre grande surface. Ça n'a rien à voir avec Intermarché. De toute façon, vous reconnaîtrez les lieux, c'est pas du tout Intermarché. On va partir avant. Non, on va pas. J'ai mal. On va partir avant que la police elle arrive parce qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on a fait. Allez. C'est bien ça. Ciao mec. À plus. Non. Allez, ciao. Ciao. Et j'espère de tout mon cœur que personne va le libérer, vraiment. Allez, faites pas ça. On parle de pute. Ça marche. Allez, on bouge vite avant que les flics arrivent parce que sinon qu'on va prendre cher sinon. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Hein ? Comme vous l'avez compris, nous avons arrêté la personne en question. Cette personne était atteinte psychologiquement, j'en suis persuadé, et c'est pour ça que nous n'avons pas agi avec violence. Ayant des problèmes avec la justice et ayant fait 48 heures de garde à vue il n'y a pas trop longtemps suivi d'une perquisition, ou plutôt l'inverse, une perquisition suivie de 48 heures de garde à vue, j'ai pas pris le risque de rester sur place pour voir les policiers venir chercher le malfrat. Ce qui est sûr, c'est que cette personne a été attrapée et va être jugée pour les actes qu'il a fait, sachant qu'il n'est pas tout à fait normal et que son état psychologique peut jouer en sa faveur. Donc maintenant, on va passer aux choses joyeuses et arrêter de parler des choses lugubres. Et on va parler de nos vêtements. Alors nos vêtements, vous les connaissez. Si vous voulez les acheter, il n'y a plus qu'à se rendre sur le site www.futuratech.com. On dirait que je rate, mais ça c'est pas grave. Il y a de tout, des t-shirts, des shorts, des pulls, des casquettes, des bonnets. Il y a à peu près tout pour pas grand chose. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site et à faire vos achats si vous aimez notre marque et si vous voulez la porter. En attendant, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un tout nouveau prank, une toute nouvelle expérience, une toute nouvelle vidéo. Et je le répéterai jamais assez, quand vous achetez des fruits, des légumes ou n'importe quoi, ouvrez toujours pour voir ce qu'il y a dedans. C'était Kamoff, gros bisous à tous et faites attention à vous. Peace.